ravie de vous retrouver au rendez-vous du journal sur la télévision Isanganiro, les grands titres pour commencer. Dieudonné Dukundane, ministre des infrastructures, équipements et logements sociaux, demande aux acquéreurs des parcelles au site Ngengabusolo d'attendre patiemment la décision qui sera prise. Le prix du kilogramme de maïs a été fixé à 2000 francs bouche chez les détaillants et aux agences nationales de gestion du stock stratégique, comme la ministre du Commerce l'a annoncé ce mardi dans une conférence de presse. Vous l'entendrez au cours de ce journal. Nous vous dirons aussi le verdict de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo par rapport aux résultats des élections de décembre dernier. Voilà pour la charpente, les détails tout de suite. Bienvenue. Les députés sont inquiets du rythme d'exécution et du nombre élevé des chantiers de construction en cours à travers le Burundi sous la supervision des institutions personnalisées Obuha et ARB. Lors de l'analyse du rapport d'audit de la capacité budgétaire réalisé par la Cour de compte au niveau de l'administration centrale du ministère des infrastructures et équipements pour la période de 2019 à 2023, le ministre Dieudonné Dukundane précise que ces chantiers de construction des infrastructures sont à plus de 200. Ces députés recommandent l'implication des opérateurs privés pour respecter les délais d'exécution. Placide Niyomungere pour les détails. Nibyumvikana ingene isoko itangwa ibarabara rikimbwa cyanke inzikubakwa ariko bitaranashikirizwa bikaba byatangwe kononekara. Selon le ministre des Infrastructures, les travaux de construction ou de réhabilitation des infrastructures sont au nombre de 205, dont plus de 80 en rapport avec les accès routiers. Pour la députée Bernardine Ndouimana, aurait prévu des travaux raisonnables, qu'avoir des chantiers qui risquent de ne pas être achevés. Vu ce nombre de chantiers en termes d'une centaine, n'est-il pas mieux d'en prendre au moins un tiers ou un quart pour privilégier le peu, mais avec assurance de les clôturer à temps, au lieu de prendre les 200 sans pouvoir les finaliser? Les députés Niyonzima Constantin et Olivier Sougourou mettent en doute la qualité et les délais d'exécution de ces travaux. Car, disait-il, c'est incompréhensible que l'exécutant soit en même temps contrôleur. Dans plusieurs endroits, le bois a réhabilité des routes à Bushirini de Poule, plus particulièrement à mairie de Bujumbura. Malheureusement, on remarque que ces routes sont encore une fois délabrées. Comment vous jugez la qualité et le délai d'exécution de ces travaux? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, erreur est humaine. C'est incompréhensible que ces institutions de l'ARB et Obuha établissent en même temps des devis de construction, exécutent des travaux et font le contrôle et la surveillance. J'ai des doutes là-dessus. Il peut y avoir des anomalies. Ce qui mettra en danger ces finances engagées. Pour le respect des délais d'exécution et la protection des équipements, le député Léonard Hakizimana trouve qu'une partie de ces chantiers devrait être confiée aux opérateurs privés. Dans plusieurs endroits, vous avez laissé, monsieur le ministre, des graviers et autres matériaux sur des chantiers. Le particulier ne pourrait jamais laisser son gravier sur place. Même si on sillonne partout, on peut trouver des tas de matériaux laissés sur les chantiers car vous savez que l'État va payer. C'est pourquoi il faut privatiser ces travaux. De son côté, le ministre ayant les infrastructures dans ses attributions rassure que tous ces chantiers connaissent actuellement un bon état d'avancement
malgré quelques défis qui trouvent des réponses au fil du temps. Ces 205 chantiers sont en cours, mais à côté, il y a 172 chantiers qui ont été clôturés. Les défis ne manquent jamais lorsqu'on est à l'œuvre. Il est difficile de critiquer celui qui est assis. Nous avions eu également cette recommandation de la part du gouvernement pour dégager les travaux à faire en régie et les autres à confier aux autres qui peuvent nous aider. Il reste alors la finalisation pour établir les responsabilités pour les chantiers mal exécutés ou pour ces matériaux laissés sur place. Toutefois, le ministre Dukundane reconnaît que certains travaux de construction des infrastructures ont été perturbés suite au manque de devises et à la pénurie du carburant, tout en promettant des sanctions contre les techniciens qui laissent les matériaux et équipements sur des chantiers déjà clôturés. Placide Niomungede, merci pour ton reportage. Le ministre des Infrastructures, Équipements et Logements Sociaux dit avoir soumis le dossier d'aménagement du site Nyenga Busolo en commune Moura de la mairie de Bujumbura aux institutions supérieures pour trancher sur cette affaire. Dieudonné Dukundane indique que ce dossier comporte plusieurs irrégularités et contradictions. Il demande aux acquéreurs des parcelles d'attendre patiemment la décision qui sera prise. Nous venons de passer une année dans les dialogues avec les représentants des propriétaires des parcelles et parmi eux se sont divisés un groupe ou une partie disait être des représentants des propriétaires des parcelles et les autres sont venus après disant qu'ils sont les propriétaires de ces parcelles. Nous avons écouté toutes les parties et nous avons lu des rapports présentés par les cadres de l'État et on a constaté qu'il y avait des contradictions dans les infos fournies par ces cadres. Après avoir constaté que les associations reconnues par le ministère de l'Intérieur constatent que les anciens occupants ont vendu leurs parcelles et que les contrats de vente ont été accordés par d'autres organes qui n'émanent pas de notre ministère, nous avons approché les autres instances pour nous aider. Dans ce rapport, il y avait des exagérations dans l'enregistrement des superficies des parcelles où on voyait certains faux enregistrements, la superficie qui n'existait pas et cela nous a beaucoup inquiétés de voir quelqu'un qui se donne à faire enregistrer une parcelle dont la superficie dépasse tout le terrain en général. Entre ces gens-là, qui a menti, qui a dit la vérité, qui a été spolié, et ça devient un problème. Il y a ceux qui ont donné des frais de viabilisation et qui disent qu'ils ont demandé des crédits dans les banques il y a plus de 10 ans et bientôt ils vont partir en retraite sans avoir les parcelles. La question qui se pose, est-ce qu'on va prendre les acquéreurs et les placer dans les parcelles des autres alors que les propriétaires n'ont pas encore eu leur parcelle. C'est un grand défi. Après avoir analysé les listes, nous avons décidé de présenter ce problème à nos supérieurs pour prendre une décision. Page agriculture. Pour continuer ce journal, la fixation du prix de maïs par kilogramme dépend des efforts et moyens utilisés par l'agriculteur. Prosper Dodiko, ministre de l'Agriculture, l'a dit ce mardi lors d'une conférence de presse. Selon ce ministre, l'agriculteur utilise plus de 1500 francs burundais par kilogramme de maïs. Pour fixer le prix au kilo, tous les efforts, que ce soit la main-d'œuvre familiale, que ce soit la main-d'œuvre payante, tous ces efforts ont été comptabilisés. Une analyse des coûts de production a été réalisée en considérant les paramètres suivants. Le terrain qui doit être cultivé, la main-d'œuvre pour le premier labour, la main-d'œuvre pour le lissage ou le nettoyage, le coût des fertilisants, surtout de fond, que ce soit de fond ou de couverture, le coût de la matière organique, l'achat des semences, la main-d'œuvre pour le semis, la main-d'œuvre pour le sarclage, la main-d'œuvre pour le bitage,
achat des produits phytosanitaires ou des sacs EPIX, main-d'œuvre pour la récolte, la location des batches pour leur séchage, la main-d'œuvre pour l'égrenage et vannage, main-d'œuvre pour le sarclage, achat des sacs EPIX, comme je l'ai signalé, et même les frais de transport, d'achat au lieu de stockage, sans oublier bien sûr les frais de séchage. En considérant le rendement moyen de 3500 kg par hectare et en comptabilisant tous les efforts des agri-éleveurs, la valeur du coût de production pour un kilo de maïs grès sec a été calculée à 1553 francs. Comme vous le savez, nous travaillons dans la synergie au sein du gouvernement. C'est ainsi que nous avons travaillé ensemble avec le ministre en charge du commerce pour nous appuyer dans le volet commercialisation. Comme je vous l'avais dit en titre, lors de cette même conférence de presse, la ministre du Commerce a fixé le prix du kilogramme de maïs à 1700 francs burundais. Marie-Chantal Nijimbele indique que le même kilogramme sera acheté à 2000 francs burundais chez les détaillants, dans les marchés ou aux agences nationales de gestion du stock stratégique. Considérant le coût de production d'un kilo de maïs évalué à 1553 francs par kilo, le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme porte à la connaissance du public que le prix d'un kilo de maïs au détail est fixé à 1700 francs par kilo jusqu'à nouvel ordre. Néanmoins, vu que les estimations de production du maïs pour cette saison culturelle sont satisfaisantes, un système de collecte et de stockage du maïs en surplus de consommation des ménages sera organisé, soit par en AGESA ou soit par les privés ayant des hangars de stockage dans les provinces, moyennant bien sûr les charges de collecte, de manutention, de stockage, de gardiennage, de transport et autres. Ces charges ont été évaluées en moyenne à 83 francs par kilo de maïs. D'où, après autorisation de revente des quantités stockées par les ministères concernés, la priorité d'approvisionnement sur les points de stockage dans AGESA et des privés dans les provinces sera accordée aux ménages à un prix de revente de 1800 francs par kilo de maïs au point de stockage, tandis que le plafond sur le marché au détail sera de 2000 francs par kilo de maïs. En actualité internationale, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a validé la victoire de Félix Tshisekedi dans la soirée de ce mardi. Les informations tirées sur Africa News indiquent qu'il va entamer son dernier mandat. Images et commentaires. En RDC, la Cour constitutionnelle a confirmé mardi soir la réélection de Félix Tshisekedi. Selon les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre, publiée par cette juridiction, le président sortant a obtenu 73,47% des suffrages exprimés, alors que son principal adversaire, Moïse Katumbi, arrive en deuxième position avec 18,08% des voix. Les juges du contentieux électoral ont par ailleurs rejeté le recours de Théodore Ngoï, ce candidat malheureux à la présidentielle, demandait l'annulation de l'élection en raison des irrégularités présumées. Avec la décision de la Cour constitutionnelle, la page de l'élection présidentielle se ferme. Félix Tshisekedi entame donc son deuxième mandat de 5 ans à la tête de la RDC. Son dernier, sans nul doute aussi. Et voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre attention. Au revoir et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.